Marseillais, quelle ambiance! Avec ce soir chez vous, Valérie Mérès. Raphaël Mesrahi. Pierre Bénichoux. Christine Bravo. Perry Cochin. Et Christophe Alévêque. Christine, vous allez devoir vous lever, Perry et Valérie aussi, pour souhaiter un bon anniversaire à Pierre Bénichoux aujourd'hui, 1er mars. Pierre! Mais confus. Christophe, enfin. Vous vouliez pas qu'on le dise. La Savoie, 73. Oui. Non, mais je suis confus parce que personne ne le sait à la maison. Et votre femme qui regarde l'émission tous les soirs va être en train de préparer un gâteau à la va-vite. J'aurais préféré au chocolat. Et ben voilà. Christophe. Qu'est-ce que vous offririez à Pierre pour son anniversaire? Ah, mais moi, je lui ai déjà offert toute mon amitié, alors... Ah, c'est pas mal. Vous, Christine? Moi, je viens d'allumer deux petites bougies. Si tu veux les souffler. Oh, moi, je veux bien faire un concert chez lui. Merci beaucoup. C'est inutile, merci. Valérie, qu'est-ce que vous offririez à Pierre, à part un baillon? Je sais ce qui lui ferait plaisir, mais on est réconciliés maintenant. Alors déjà, notre réconciliation, c'est un énorme cadeau, quoi. Oui, mais si je lui dis ce qui lui ferait plaisir, elle va se refâcher. Il ne voit en moi que l'enveloppe. Ah. Je voudrais qu'il voit le reste. Il voit que l'enveloppe et il a envie de lécher le timbre. Allez, temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Marc Dutroux, dont le procès démarre aujourd'hui en Belgique. Et franchement, quand on voit cette photo, on se dit que Las Palès n'a pas intérêt à aller jouer sa pièce à Bruxelles en ce moment. La vache. Heureusement pour notre ami Régis, dans Le Parisien, le professeur Lantieri nous dit que la greffe de visage, c'est désormais techniquement possible. D'ailleurs, bonne la preuve. Nouvelle, hein. Voilà. La preuve, lui-même a réussi à s'auto-greffer la tête d'Henri Krasucki, fallait le faire quand même. C'est vrai. La greffe de visage, c'est donc possible. Ça va sûrement intéresser Monsieur Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture, qui, après les Césars et les Victoires, compte se faire greffer avant de se rendre aux Molières. Voilà le visage qu'il aurait demandé au chirurgien afin d'être tranquille une fois pour toutes. Christine, peut-être vous pourriez vous faire greffer le visage de Daniela Lombroso pour revenir à la télé. Vu l'image que j'ai, je souhaite vraiment à personne, après ma mort, de se réveiller avec ma tronche, tu vois. C'est vrai. Allez, une autre photo, celle de Jacques Chirac au salon du Poitou-Charentes. On le sait, le président de la République boit du petit lait quand il est au salon de l'agriculture. Là, on va le voir en train de s'essuyer les mains auprès d'un agriculteur après avoir caressé une vache. Et puis, on va le voir s'émerveiller devant une baguette de pain, c'était samedi. Et puis, il rigole, regardez là sur cette photo, après avoir déclaré « Regardez Sarkozy, comment je le tiens à la gorge ». Bref. Bref, au salon de l'agriculture, le président est dans son élément. Il a raison, c'est quand même plus rigolo de passer 10 fois devant la basse cour qu'une seule fois devant la haute cour. Mmh. Oh. Ça, c'est pas... Christine, c'est très bien pour les enfants, vous pourriez emmener votre fille. Ouais. Mais je vais y aller, j'y vais tous les ans. Ben, il pourrait la garder aussi, c'est ça le problème. Ah oui. Quoi? Bah oui. Au stand Monnetière. L'avantage, en tout cas, du salon de l'agriculture, c'est qu'on est loin des intellectuels qui continuent à râler, eux, contre le gouvernement, et les chercheurs particulièrement. Regardez, ils s'en prennent à leur ministre, Madame Aigneret. Regardez le panneau de cette manifestante. Aigneret, lâche des thunes pour qu'on te renvoie sur la Lune. Alors, franchement... C'est pas comme ça...
C'est pas comme ça qu'ils vont obtenir des crédits. Après, qui s'étonne que Mme Aigneret leur ait juste débloqué de quoi s'acheter un Mars? Une autre photo, celle de Lionel Jospin, dont ça fait plaisir, regardez, de voir qu'il a retrouvé le sourire, manifestement. C'est à la mi-temps du match Lens-Lyon que l'ex-candidat socialiste en a profité pour livrer ses commentaires. On sait toujours pas s'il va revenir à la politique, mais s'il continue comme ça, après le championnat d'Europe des Nations, il est bon pour remplacer Santini, c'est déjà ça. Et regardez bien, sur toutes ces photos, on se rend bien compte qu'il faisait froid, hein, manifestement. Mais quand même, ça fait 2 ans qu'il a les lèvres gercées, hein, Jospin. Il en a quand même profité pour envoyer une petite pique à M. Raffarin, hein, à la mi-temps, Pierre, c'est ça, non? Oui, mais enfin, pas tellement. Pas méchante. Pas méchante, quoi, oui. Il fait son métier, moi je trouve que c'est très bien. Son métier de... C'est quoi exactement son métier? Son métier, c'est retraité, normalement. Son métier, c'est « je reviens ». Ah. Moi, j'ai toujours pensé ça. Il y a une expression même qui dit « doucement, mais sûrement ». Voilà. Eh ben bon anniversaire, Pierre. Je suis bête de ne m'intéresser qu'à l'enveloppe. Une autre photo, celle du roi du Maroc qui s'est rendu samedi dans la région sinistrée par le terrible tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Mais alors là, quand je vois cette photo, je me dis c'est quand même curieux. C'est bien de se rendre sur place, mais de là, comme ça, à acclamer la foule, genre « Ouais, il y a eu un tremblement de terre, merci, applaudissez-moi !» C'est quand même étonnant. Ouais, ouais. Mais tu sais comment il l'appelle, maintenant il l'appelle Mohamed VI sur l'échelle de Richter. Une autre photo, celle des routiers bloqués ce week-end dans le sud-ouest parce qu'il a neigé en Espagne. La Croix-Rouge et les pompiers leur ont distribué des soupes, des cafés chauds et des sandwichs. Franchement, c'est pas la peine d'être bloqué dans le sud-ouest pour recevoir ça. Non. On aurait pu au moins leur distribuer du foie gras et des gésiers sur l'eau. Il n'y avait quand même pas que des routiers américains, franchement. Moi, j'ai été bloquée toute ma vie pour passer le Pertu. J'ai été bloquée des étés entiers à la frontière. Bon, passé des étés entiers à la frontière. Mais bien sûr, tu sais très bien qu'il y avait 50, 70 km de queue quand on était petit. Mais... Ah, t'es resté bloqué alors. Tu restais pas un été entier là, tu restais une journée. Mais oui, mais bien sûr. Tu dis mais des étés entiers. Mais non, il faut être précise, ma chérie. Mais oui, mais tu sais très bien qu'à notre époque, il n'y avait pas les autoroutes. Oui, ne profite pas de mon anniversaire pour dire des conneries. On supporte plus que les choses n'aillent pas vite. Voilà. Il en faut de la volonté pour rester féministe. Une autre photo, celle des victoires de la musique avec la consécration pour les groupes Kyo et Mickey 3D. Déjà au Energy Awards, le groupe Kyo avait tout raflé. Et encore, le salon des trois poils au menton n'avait pas encore eu lieu. Ils ont tous ces petites barbichettes. La victoire du somnifère de l'année a été remise à Carla Bruni qui a osé... Quelle irrévérence! Je sais pas si vous avez vu ça en début de soirée. On lui a dit, prouve qu'on est en direct, prouve qu'on n'est pas censuré. Alors elle a osé chanter devant le ministre Ayagon la chanson de Brassens, Quand je pense à Fernande, je bande. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était gonflé! Oh là là! Au moins, elle aurait chanté Quand je pense à Jack Lang, je bande. Ça aurait été de l'irrévérence. Oui. En tout cas, moi j'ai regardé, j'ai passé une très très bonne soirée. Et Valérie Lagrange. Voilà. Et Valérie Lagrange, le texte de Valérie Lagrange, merci. Ah, ouais, on attendait. Ouais, c'est vrai. Je le trouvais très méchant avec Valérie Lagrange. Elle est ravissante, pas parce qu'elle a 3 ans de plus que toi. Que je sais pas. Que toi. C'est pas ça, c'est t'es franchement... T'es 3 ans de plus que Vanessa Paradis, qu'il faut se moquer d'elle. Non, mais qui a pu voter pour Valérie Lagrange, chanteuse de l'année, Pierre Bénichou? Personne ne connaît plus Valérie Lagrange. Pierre Bénichou. Personne ne l'a jamais connue. On sait pas d'où elle... Si. Non, moi je me rappelle quand on était bloqué au col du Pertu, elle chantait. Tu te rappelles? Pearl, c'est la nouvelle chanteuse de R&B du moment.
française. Son single sorti au mois de décembre s'appelle « J'ai des choses à te dire » et il est extrait de Max 209 Rap and Rhythm and Blues, une compilation de rythmes comme les aiment les jeunes aujourd'hui. Après Diams, récompensé aux victoires de la musique, c'est Perle qui tient le devant de la scène. D'ailleurs, à L2, Diams et Perles, elle pourrait ouvrir une bijouterie. Perle, elle a 21 ans. Avant de faire de la musique, elle faisait du saut en hauteur. C'est pour ça que pour sa carrière, elle met la barre très haut. On va voir tout de suite si elle a vraiment des choses à nous dire. Nous allons tester ensemble Perle. Pour votre anniversaire, bon, je vous ai gâté. Hein. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai bien reçu votre message. J'ai des choses à te dire. Alors donc, vous sortez du lit. Tout à fait. C'est moi qui ai envie de vous inviter. Parce que j'ai vu votre clip plusieurs fois à la télévision. J'ai trouvé que c'était d'abord très rare, les jeunes chanteuses françaises qui chantaient du R&B comme vous le faites. C'est vrai que vous n'êtes pas si nombreuses que ça. C'est vrai. Alors, c'est quoi cet album 109 Rap and Rhythm and Blues? Alors, c'est, en fait, c'est une compilation sur laquelle il y a des artistes rap et donc R&B. Je suis la seule représentante du R&B, d'ailleurs. Et voilà. Et la chanson, comment elle a été choisie? J'ai des choses à te dire. Alors, je l'ai choisie avec un producteur, DJ Coste. Enfin, je choisis trois instrus. J'ai travaillé, j'ai composé mes mélodies et j'ai coécrit le texte de cette chanson. Voilà, hein, il faut le dire, vous avez travaillé et sur le texte et sur la composition de la chanson. En voici un extrait, j'ai des choses à te dire, Pearl. J'ai des choses à te dire, j'ai laissé des messages et envoyé des emails et des SMS. J'ai des choses à te dire, mais si tu ne m'entends pas, tu sais, tu me perdras. J'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas sur une messagerie ou avec des SMS. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te dire, mais tu n'es jamais là. Voilà, s'il te plaît, réponds-moi. J'adore votre prise. Déjà, j'ai lu votre bio. Vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, hein? Tout à fait. Bon, alors. Depuis 5 ans. Il faudrait savoir un peu ce que vous chantez là. Hein? Mais en fait, cette chanson représente ma plus grande peur, en fait, qui est de perdre l'homme que j'aime. Bon, ça va durer. Mais vous avez quelqu'un dans votre Pierre. Vous avez quelqu'un dans votre vie depuis 5 ans, mais je suis gêné, comment on va lui annoncer? Il faut qu'on se débrouille. Hein. Pierre, vous avez aimé ça? Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça, on dit que vous avez été une athlète de haut niveau. J'étais sauteuse en hauteur. Alors je voudrais savoir, vous sautiez combien? Je sautais 1m72. Il vous manque 20 cm encore pour arriver à me sauter, mais... Et voilà. J'attendais celle-là. Alors vous dites deux choses qui m'ont fasciné. La première, vous dites que vous aimez chanter l'amour parce que vous en avez tellement manqué quand vous étiez petite. C'est vrai. Et vous avez eu une enfance malheureuse? J'ai eu une enfance difficile puisque ma mère est venue s'installer en France pendant quelques années. Et donc j'avais 7 ans et j'habitais chez ma tante qui était très difficile, très dure avec ma sœur et moi. Je la protégeais donc bien souvent... Je prenais les coups pour elle, ou enfin, je faisais le travail. Ou... On avait 7 ans, mais je ne jouais pas avec des poupées. Ou, enfin, je savais faire plus de choses que maintenant, d'ailleurs. Je faisais la cuisine, je faisais le ménage, alors qu'aujourd'hui, j'ai tout oublié. C'est drôle. Même mais... si ce n'est pas vrai, dites-le. Cette folie des dents que vous avez. Pardon? Cette folie des dents que vous oui. avez. Ça revient tout le temps. Qu'est-ce que vous aimez chez un homme? Les dents. Qu'il ait des belles dents, qu'il ait des dents saines surtout. C'est vrai. Pourquoi? En fait, j'aime beaucoup sourire et j'aime qu'on me rende ces sourires, donc je vois que ouais. ça marche ici. Mais en fait, c'est vrai. Fais un effort, Christophe, s'il te plaît. Non, mais oui. À partir d'un certain âge, les dents prennent un coup quand même. Bah, faut les changer. Tout simplement. Voilà. Quel autre style de musique, Christine? J'ai trouvé ça bien, ouais, mais vous êtes arrivée à 7 ans en France. Tout à fait. Ouais, bah, si elles sont toutes comme ça, qu'elles y restent là-bas. Parce que franchement, c'est monstrueux de voir débarquer des filles aussi bien, quoi. Ah, merci. Vous voulez dire pour la concurrence? Ouais. Ah oui, d'accord. Si tu veux, moi, la grève de visage, moi, si tu veux, ça me va, si c'est elle, quoi. Merci beaucoup. Ça va. Valérie. Moi, je trouve en plus qu'elle est charmante. Quand je l'ai en face, j'ai envie de lui faire plein de bisous. Elle est trop bien. Par rapport à la chanson, ça revient un peu tout le temps. Hein. J'ai des choses à te dire. Ah ben oui, mais alors ça, c'est un tube, je vais vous dire. Super. Mais justement, moi j'ai envie de dire que ça s'écoute très bien, mais c'est vrai que j'attends un... L'album. Un 33 tours, j'allais dire. Ouh là là, il y a du chemin qui a été fait. Je sais, mais j'en suis un peu restée là avec Francis Cabrel. Elle a toujours les 33 tours de Francis Cabrel. D'accord. Non, mais, non, mais j'aime bien. Mettez-moi dans les gens qui aiment bien. Voilà.
Justement, cet album, alors, vous y travaillez? Comment ça se passe? Tout à fait, je suis en train de l'enregistrer en ce moment. Vous voulez un coup de main, non? Non, ça va aller, merci. Mais ceci dit, on va prendre les numéros et après on s'appellera si jamais... Je sens que le radis a des poils. Non, non, mais... Ah, bah, peut-être qu'elle est capable de... Ah, tenez, venez ici, Raphaël. Ah, voilà. Venez faire chanter vos chansons à Perle. Je vous donne ce micro. Vous lui soufflez les paroles d'une de vos chansons, on va voir ce qu'elle sait en faire. Alors allez-y. Lesquelles? Les carottes, les tortues? Les tortues, c'est peut-être... Les carottes, les carottes, ça rend aimable. C'est vrai. Les carottes, ça a des poils. Vas-y, à toi. Les carottes, ça a des poils. Les radis, ça a des poils. Les radis, ça a des poils. Les betteraves, des longs comme ça. Les betteraves, des longs comme ça. Les tomates, ça n'en a pas. Les tomates, ça n'en a pas. Merci. Yeah. C'est tout de suite. Bravo. Elle a une voix incroyable. Oui, elle a une voix incroyable. Même ça, ça devient jolie. Très, très jolie voix, je dois dire. Ah ouais, une voix incroyable. Mais d'ailleurs, on l'entend dans le disque. Autant peut-être partout, même pas assez. Bien. Peut-être même pas assez. Vous avez commencé à chanter dans les églises, mais pas dans des groupes de gospel, non, toute seule. Voilà, en fait, à la fin, quand tout le monde était parti, je restais et ça résonnait énormément. Et en fait, je remerciais tout le temps le ciel en chantant soit les chansons qu'on apprenait... c'était soit les chansons qu'on apprenait avec le prêtre... C'est la première fois que je regrette de ne pas avoir fréquenté les églises. Moi. Christophe. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a quand même un peu énervé dans le sens où les femmes au téléphone ont tendance à un peu m'agacer. C'est vrai. Donc rester scotché au téléphone, alors au début c'est bien parce que c'est est-ce que tu m'aimes, puis après c'est à quelle heure tu rentres, où t'es, qu'est-ce que tu fais. Mais ça c'est des preuves d'amour ça. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est un peu gonflant au bout d'un moment. Donc j'ai écouté avec joie, avec allégresse, mais à un moment donné, ça m'a donné une idée de chanson. Lâchez-nous la grappe un peu avec le téléphone aussi. Votre femme vous appelle souvent? Non, c'est fini maintenant, ça c'est terminé. Ça, c'est, les autres. Elle m'envoie des SMS, connard. Allez, on va rappeler le titre de l'album sur lequel on retrouve votre single « J'ai des choses à te dire ». Single qui s'est déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires. Hein. C'est un énorme tube du moment, « J'ai des choses à te dire » que les jeunes chantent en ce moment. Et on attend votre album. Et si on veut la chanson au sein de l'album collectif s'appelle « 109 Rap and Rhythm and Blues R&B ». Exact. Merci Pearl. Merci à vous. On était ravis de vous recevoir. Décidément... On voudrait ne pas le dire qu'on le dit quand même, les Américains n'ont aucun goût. La preuve, ils ont décidé de suspendre ce qui fait la fierté de notre pays, la charcuterie d'abord, c'est-à-dire les bons trucs qu'on aime manger, qui font pas de poids en plus, la tête de veau, les pieds de cochon, les rillettes, mais surtout le foie gras. Certains soupçonnent les Américains de bassement riposter à l'interdiction en Europe d'importer des volailles américaines, mais la vraie raison avancée outre-Atlantique, c'est que les systèmes de sécurité sanitaire français ne seraient pas conforme. Bref, les Américains commencent à nous gaver. Dan Bolander s'est donc rendu au Salon de l'agriculture, qui a ouvert ses portes, vous l'ignorez plus, samedi dernier. Il a testé pour nous vendre du foie gras américain. Regardez cette caméra cachée signée Marcel Bélanger. Bonjour, c'est Dan Bolander au Salon de l'agriculture. J'ai testé vendre du foie gras américain. The best in the world! Ce sont des producteurs texans de foie gras. From Dallas, Texas, the country of George Bush. Yeah. Right. Et en fait, ils cherchent à importer leur foie gras ici en France. Vous voulez le goûter? Ouais. C'est avec du ketchup. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah ben c'est américain, forcément. Ça c'est du lard, bon gars. Ah non, thank you, it's too fat for me. Ah non, non. Ah ben bah, comment voulez-vous faire du commerce avec les Français si vous refusiez tout ce qu'on fait en France? Alors, c'est pas bon ce que vous faites. Moi, j'accepte de goûter, toi tu dois accepter de goûter. Sinon, t'es pas un bon commerçant. Il peut réussir ici en France. Il peut pas réussir. Il est pas bien dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'on interdit le foie gras français en Amérique alors que le leur est autorisé? Parce que le leur est meilleur. Ah non, 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 il est pas meilleur, c'est pas vrai. Les oies aux États-Unis ne sont pas gavées comme ici en France. Oui. Comment vous les gavez alors? Une oie mange que du maïs, c'est tout. Du maïs, mais du maïs américain. Oui, aux OGM. Sinon, vous pensez que M. Parker a une chance de le vendre ici? Non. Vu le boycott des produits français qu'il y a actuellement, on va leur envoyer l'ascenseur. Hein. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Je vais vous faire goûter alors. Quand
ça, on va comparer. Et celui-là, c'est le meilleur. Hein. D'accord? Oh non, thank you, it's too fat for me. Il ne veut pas parce qu'en fait, ici en France, vous n'avez pas les mêmes normes d'hygiène qu'aux États-Unis. Ah ouais, ouais. Donc, est-ce qu'ils peuvent venir visiter la ferme s'ils veulent? Ils peuvent venir avec une grande combinaison blanche. Oui. Avec un masque à gaz, tout ça en cas, parce que bon, c'est vrai que s'ils ne supportent pas les microbes, on a tout ça, d'accord? Oh là là! C'est quoi ça? Ben, c'est du foie gras américain. C'est pas possible ça. Le meilleur, c'est le français. Non, non. The best in the world. Très mauvais. Ah là? Très très mauvais. C'est quand même américain. C'est... Ah mais c'est pas bon! Parce que eux veulent le distribuer ici en France. Impossible! Pourquoi impossible? Personne ne va acheter ça en France. Les États-Unis, ils gardent leurs produits, nous on garde les nôtres. Eux, ils mangent leurs hamburgers, nous on mange notre foie gras. Bollinger au Salon de l'agriculture. On va tout de suite recevoir sur ce plateau le directeur de l'Association des foies gras du Sud-Ouest. Évidemment, il ne doit pas être content contre les Américains. Voici Monsieur Marc Rose. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Est-ce qu'ils font du foie gras, d'ailleurs, les Américains? Oh, un petit peu, peut-être. Je crois, d'ailleurs, que vous n'exportez pas tant que ça, du foie gras, aux États-Unis. Non, c'est pas énorme. C'est 120 tonnes sur un marché français qui est, lui, de 16 000 tonnes. Bon, est-ce que c'est si grave que ça que les Américains interdisent notre foie gras? Bah, c'est surtout ce qu'ils veulent faire croire, que nos produits sont pas bons. Moi, je suis pas d'accord. Non, on sait que les Américains ont pas de goût, on s'en fout. Un peu, oui. Surtout qu'ils ont tort parce que c'est du bon cholestérol. Oui, alors, vous avez raison, parce que ce sont les Américains qui ont inventé le French Paradox. Et le French Paradox, c'est les qualités de consommation du foie gras chez nous, avec un verre de vin, bien sûr, qui permet effectivement de consommer des produits qui font du bien à la santé et qui évitent les crises cardiaques. Il faut leur couper les vivres, il faut arrêter de leur envoyer du vin, de la bonne bouffe, on arrête tout, on leur envoie plus rien. Et qu'ils nous rendent la statue de la liberté. Parce que qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur, il s'y connaît certainement mieux que moi, mais il paraîtrait que nous, on soit bien moins exigeants sur leur bidoche, leur viande, apparemment. Si vous pouvez répondre. Non, mais c'est vrai qu'ils ont des méthodes d'approche de la sécurité sanitaire qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Maintenant, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, un consommateur de foie gras, il a toutes les garanties lorsqu'il vient de France. Mais c'est pas le foie gras, c'est parce qu'ils ne peuvent plus nous refourguer des poulets qui font ça, vous savez bien. Mais on n'est pas les seuls, hein. Les Mexicains aussi ont arrêté de leur prendre leurs poulets. Des poulets, il y en a de plus en plus dans les rues, là. Ils sont bien regardants sur l'hygiène, mais quand ils font fabriquer des Nike par les petits Chinois de 5 ans et demi, hein, ils vont pas voir dans mais quel... ils se sont lavé les mains, hein, les petits Chinois, juste avant. Non, non faut mais voir qu'est-ce aussi... qu'ils reprochent, sérieusement, qu'est-ce qu'ils reprochent non, à nos producteurs? Non, ce qui est reproché, pour vous raconter l'histoire en quelques mots, lorsque les Américains sont... Commencez venus... par « Il était une fois », ce serait pas mal. Il était une fois en France... Il était une fois. Une fois, en France et pas dans l'Ouest. Il était des inspecteurs qui sont venus voir comment travaillaient nos entreprises françaises. Ils ont constaté, certains inspecteurs, qu'effectivement, elles travaillaient bien. Mais des inspecteurs, d'autres, sont venus auditer le fonctionnement de l'administration française qui, elle, dans le temps et en permanence, contrôle nos entreprises. Et c'est sur ce problème-là, entre les administrations françaises et européennes, après qui, semble-t-il... Après le poulet. Non, ça avait commencé un peu avant, mais... Ah bon? L'effet d'annonce est simultané. Après la guerre d'Irak. Oui, ça, vous avez raison. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser passer cet affront? Non. Non. Alors, je on va crois faire que, quoi? Bah, aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture compte sur l'appui de la Commission européenne, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ces produits sont fabriqués en respectant des normes européennes. Donc, c'est aussi l'Europe qui est un peu remise en cause. Ah. Donc aujourd'hui, Bruxelles appuie la France pour régler ce petit différend, on va dire, administratif. En attendant, par solidarité, on n'a qu'à en bouffer plus, et puis c'est tout. Il est bon, Pierre, vous goûtez. Très, très bon. Ouais. Il est très, vraiment, il est très, vous très bon. Vous voulez des bougies dessus pour, non? Non, mais il est vraiment très, très bon. On va goûter, hein. Ah oui, alors là, vous avez de l'oie et là, vous avez du canard. Ah, il y a deux. Alors, qu'est-ce qui est mieux, l'oie ou le canard? C'est une affaire de goût. Ouais. Moi, je préfère l'oie, ça me rappelle Miss France. Là, je viens de goûter l'oie, alors maintenant, je vais goûter le canard. Hein. Ouais, vous avez fait dans le bon sens. Sympa comme émission, tu as les gens, ils nous regardent bouffer, tu vois. Moi, je dirais un truc, c'est que je suis plutôt saumon fumé.
manger. Mais en plus... En plus, récemment, les Américains s'en sont pris aussi à notre saumon fumé. Exact. Dites donc, oui, en disant qu'il était cancérigène. Alors, le problème du gavage des oies, elles souffrent ou pas, alors? C'est un éternel débat. Bah. Moi, je vais vous faire une réponse de bon sens. À partir du moment où un animal souffre, il ne va pas vous produire un bon foie gras. Donc, il ne faut pas qu'il souffre. Ah. Ouais, bon. Eh bien, écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est votre droit. Non, mais vous avez vu comment on traite les animaux, comment on les trimballe dans les camions pour les amener aux abattoirs. Vous croyez qu'ils souffrent pas, tous les animaux? Enfin, je trouve ça scandaleux. Ah oui, mais c'est qu'ils nous couperaient l'appétit. Ah oui, ça va pas vous arrêter, je vois. Non, c'est quand même très bon. C'est quand même en période de fête de Noël que vous en vendez plus, non, du foie gras. Oui, 70% des ventes, c'est sur la fin d'année, hein. C'est sur Noël, oui, ah ouais. Effectivement. C'est un peu comme le muguet le 1er mai, on ne sait pas pourquoi. On en vend plus le 1er mai que les autres jours. Mais les petits drapeaux, c'est surtout le 14 juillet. Non, mais on apprend beaucoup de trucs dans cette émission. Alors, alors que le saumon fumé, c'est toute l'année. Hein. On va vous remercier, monsieur Marc Rose, directeur de l'Association des foies gras du Sud-Ouest. Merci. Merci. De plus en plus d'événements sont organisés pour les célibataires, vous le savez. La nouveauté qui nous vient des États-Unis s'appelle la Quiet Party. Le principe est original. Pendant 2 heures, des hommes et des femmes sont seuls, réunis dans un lieu où ils ont interdiction de parler. En discothèque, interdiction de parler pendant plus de 2 heures. Pour communiquer, on distribue à tous les clients des feuilles blanches et des stylos. Tout le jeu de séduction consistant uniquement à s'écrire. D'autres quiet parties vont être organisées à partir du 11 mars à Paris et j'imagine un peu partout en France. Ça va prendre. Pour parler ensemble de ces quiet parties, nous avons invité 3 célibataires qui ont déjà participé à ce genre d'événement. Voici Stéphane Alamand, Amélie Chauveau et Marie Carbonnet, des clients. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez le 28 février dernier parmi ceux qui sont allés dans cette discothèque de la rue de Ponthieu à Paris pour voir comment c'était une quiet party. Voilà, c'était la première fois, j'ai demandé à Amélie d'abord. Oui, ça, c'était la première fois. Comment vous avez su et qu'est-ce qui vous a incité à aller dans cette quiet party? Donc, en fait, au départ, c'était un article dans un journal. Ouais. Donc j'ai été très intriguée en fait, et puis j'en ai parlé donc à Marie, qui en a parlé à une de ses copines. Vous êtes allées ensemble? Voilà. Et on a reçu un mail donc par internet, donc on s'est inscrite et on y est allées. Et c'est très curieux. Hein. C'est une autre manière de communiquer et on était intéressés en fait par le concept. Marie et... alors, racontez. Oui, c'était vraiment de la curiosité, c'était voir tout à fait. C'est un langage du corps qu'on utilise de moins en moins, donc c'était intéressant. Et l'écrit aussi. L'écrit aussi, mais c'est vrai que l'écrit, c'est pesant, parce qu'au bout d'une heure et demie, 2 heures de silence, si on n'arrive pas à lire une fois ce qui a été écrit, ça... Mais il y a de la musique quand même dans la discothèque. Alors, c'est très kitsch, c'est, des oiseaux, c'est une espèce de musique d'ambiance, d'oiseaux, la mer et tout. Ça doit faire... Combien il y avait de personnes à peu près? Ah, on était beaucoup. Hein. On avait du mal à se déplacer au final. Regardez, alors, il continue à communiquer. Il est très stressé, Stéphane. Il vous a dragué, lui, alors? Ben, on s'est parlé, oui. On s'est parlé, comment ça? On s'est écrit, en fait. Ah, bon. Mais vous dansez pas et vous ne parlez pas? Dans cette boîte de nuit. On échange. Il faut quand même dire que en fait de 19h à 21h effectivement c'est silence total, mais de 21h à 23h c'est comme une boîte de nuit, c'est-à-dire que là il y a la musique et on peut parler normalement avec les gens. Donc en fait au bout de deux heures, on rentre en contact avec ceux avec qui imagine le drame, tu discutes, enfin tu échanges, on va dire des mots et des signes et des trucs pendant 2 heures avec quelqu'un et tout d'un coup dès qu'il prend la parole c'est bonjour, comment ça va? J'ai eu cette petite expérience, mais j'ai eu. Il faut attendre la fin de la soirée silence pour voir effectivement ce que ça donne fois à l'oral. Regardez, Christine. Valérie, là au moins, t'aurais une chance de trouver un mec. Non, je rajoute si tu fermes ta gueule. Alors, je vais te dire un truc. Ça me fait pas du tout de mal parce que s'il y en a une qui a jamais eu de problème pour trouver un mec, bon, voilà. Ça, c'est bien vrai. On va demander à Stéphane. Mais moi, je voulais dire, Valérie, quand même, que tout à l'heure, tu t'es comparé à un saumon fumé, donc je sais pas si ça peut marcher quand même. Mais vous comprenez rien, je me suis jamais comparé à un saumon fumé. Il est con, ça.
Non, mais ça, c'est terrible parce que c'est un truc d'intello, ça. Alors. Parce que si à la moindre faute d'orthographe. S'il faut avoir le brevet maintenant pour emballer, merde. Christine, vous pourriez pas rester mais pendant moi, deux heures sans parler. Non, d'abord, moi, je pourrais pas. D'abord, c'est en parlant que je fais des massacres auprès des garçons. Ah, oui. Parce que vu mon âge et mon embonpoint. Oui, tu tombes mort. Si je me tais. Mais si, non, mais si je me tais, j'ai aucune chance. Tu Pierre, devrais essayer, peut-être. Pierre. Stéphane, est-ce que vous avez eu plus de facilité à draguer comme ça, sans parler uniquement par les gestes ou par l'écriture, que quand vous allez en boîte normalement? Alors à la base, Laurent, je ne suis pas venu pour draguer. Ah, tiens, tu parles. C'est un ami qui m'a... Oui, ça, c'est des bons emballeurs qui disent ça. Je t'ai venu comme ça. Non, mais... par hasard. Non, c'est vrai, c'est un ami. J'étais en conversation avec ma voisine du dessus, avec son petit garçon d'ailleurs que je salue. Et donc en fait, il m'a contacté, il m'a dit, bah, tu viens à la soirée ce soir. Et je lui dis, quelle soirée? Et il me dit, bah, je t'ai envoyé un mail pour une soirée, quoi, être parti. Et il me décrit le concept. J'ai dit, bah, ok, pas de problème, je viens, je vais découvrir. Donc c'était vraiment à la base pour la découverte, pour le plaisir des mots, et puis voir ce que ça peut donner. Et vous avez aimé ça? Et vraiment, j'ai aimé l'idée de prendre le temps d'écrire. Parce qu'aujourd'hui, C'est un truc que je me dirais, ça, on me décrit le concept. Tu as envie d'emballer, tu y vas, c'est tout. Pas de me décrire le concept. Bien, tu ne peux pas arriver avec un panneau, par exemple, comme ça. Si, il y en a. Il y en a eu. Est-ce que tu veux coucher? Direct. Vous êtes rentré avec quelqu'un, vous, ou pas? Oui, avec mon ami Mustapha. Bon. D'accord. Et vous, alors? Non, on est resté en contact avec... Ah oui, c'est pour après, quoi. Contact, ouais. Voilà. J'ai envie de faire un petit test. Allez, on fait d'abord la boîte normale. C'est-à-dire, on imagine, là, vous avez le droit de parler. Après, on fera un deuxième test. Normal. Quiet party, vous ne pouvez pas parler. Vous repérez quelqu'un dans une discothèque. Quels sont les premiers mots que vous lui dites? On commence par vous, Christophe. Alors... Attends, j'ai pas tout suivi, là, moi. Je vais faire le test. On y va pour communiquer ou pour niquer? Ce que vous voulez. Je lui dis, écoute, profites-en maintenant, parce que je suis analphabète. Après, on pourra plus rien se dire. Hein. Christine. Vachement gonflé de me poser cette question parce que moi je sais comment toi tu fais. Tu m'envoies. Et tu le sais très bien. Oui, mais vous, la question c'est vous, Christine. Eh ben, je vais le chercher aussi. Oui. Mais moi tu sais quoi. Mais vous dites quoi à la première phrase? Eh ben, je dis du truc bonjour, je peux vous offrir un verre. Ah voilà, je peux vous offrir un verre. Offrez-moi un verre. Voilà, ça c'est la première. Ensuite, direct. Oui, plutôt offrez-moi un verre d'ailleurs. Raphaël, vous dites quoi vous? Moi je dis, tiens, tu connais le disque qui passe, j'ai le même chez moi, viens l'écouter, je te le mettrai moins fort. Ça c'est pas mal. Valérie. Moi. Ah, vous repérez quelqu'un, la première phrase que vous lui dites c'est quoi? Je vais me sentir mal parce que j'ai trop chaud. Est-ce qu'on peut sortir dehors pour qu'on puisse parler? Parce que là j'entends rien en plus et j'aime pas. Je suis un peu aragophobe. Est-ce qu'on peut sortir? À quoi? Arogaphobe. Agoraphobe. Arabophobe. Alors toi, c'est loupé. Mais pas Pierre. Du tout, il y en a, ils adorent Pierre. Ça. Moi, je dis en général, mes parents sont d'accord, les vôtres. Ah. C'est un bon début. Vous, Perry? C'est tellement difficile, je sais pas, moi, il y a tellement... Dit, c'est combien, les... Deuxième tour de table et on se calme. Alors, on va écrire. Alors maintenant, vous n'avez plus le droit de parler. Juste ou des signes ou d'écrire. La première phrase que vous dites ou que vous écrivez. C'est beaucoup plus facile. Alors allez, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, s'il est en boîte et que je vais me mettre à côté de lui, on va danser, je vais me frotter, je vais le bousculer, je vais trouver une solution. Ah, ça c'est pas mal. Pierre, vous faites quoi? Il y a si longtemps que je n'avais pas arrivé, je ne sais pas. Mais oui, Pierre. Mais je suis sûr que je trouverai. Vous trouverez. Valérie. Saumon fumé. Elle Tu vois, là, tu tombes sur un myope, et bah t'es mal. Je cherche ma copine, elle est partie avec mon sac à main. Ah, c'est pas mal, ouais. T'es pas sûr de lever avec un truc comme ça. Christophe, faites quoi, vous? J'ai envie, mais je n'ai plus de papier. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais?
Moi, je ne parle pas, je n'écris pas. Il fait rien. Je fais... Il fait rien, il envoie ses copines. Au charbon. Il fait rien, il ne bouge pas. Il fait l'animateur de la soirée, comme ça, puis donne la parole aux gens. Non, non, moi, je viens et je fais... Non. Ça suffit pas. Je deviens tout rouge. Je deviens tout rouge. Je deviens tout rouge. Allez, dernière question. Est-ce que vous avez envie d'y retourner? Oui, oui, oui. Ouais. Oui. Vous aussi? Oui, j'ai des amis qui sont intéressés, donc je pense que je vais faire... Vous allez emmener vos amis la prochaine fois. On entend une mouche voler, vraiment, ou pas? Non, il y a des rires, vraiment, il y a beaucoup de rires. Il y a une musique de fond, enfin, un fond sonore qui est un peu ambiance savane, donc... Et puis, de temps en temps, il y a des... C'est Liliane qui apparaît. Voilà. Le truc, c'est de dire, en fait, le seul truc à écrire, c'est... Vous aimez l'ambiance savane? Tout de suite, ça marche. Les prochaines Quiet Parties sont prévues les 11 et 24 mars prochains. Vous pouvez vous inscrire sur Internet. On va vous remercier tous les trois, Amélie, merci. Marie et Stéphane. Merci. Merci. Nos dernières invitées pour ce soir. À partir du 12 mars, vous pourrez les applaudir au Théâtre des Bouffes Parisiens en allant voir Folle de son corps, une pièce de Gérard Moulévrier mise en scène par Alain Saxe avec entre autres Marthe Mercadier et Christine Delaroche, nos invités ce soir. L'action, bah écoutez, ça se passe dans une maison de retraite et l'une des pensionnaires, interprétée par Marthe Mercadier, veut à tout prix, écoutez bien, monter une revue musicale, ce qui n'est pas chose facile, d'autant que ses camarades de la maison de retraite sont toutes folles du nouveau prof de gym. Alors, on a envie de savoir qui c'est ce prof de gym, elles vont nous le dire, pour tester ensemble Folle de son corps. Accueillons tout de suite deux des comédiennes qui font beaucoup de succès au théâtre en ce moment et depuis des années, Christine Delaroche et Marthe Mercadier. Bonjour, c'est bien quand je vous vois. Bonjour. Merci, hein. Bonjour. Christine Delaroche et Marthe Mercadier réunies sur scène. C'est pas la première fois ou c'est la première fois ensemble? Première fois. On a tourné. On a tourné ensemble, mais on n'a pas jamais ensemble au théâtre. On est bien contentes. Qui joue alors ce prof de gym qui fait la fureur dans cette maison de retraite? Jean-Paul Pitolin. Bon. Oui, qui a été. Ils étaient deux protagonistes dans Ladies Night et ils ont eu le Molière. Et donc, il y a eu Jean-Paul. Donc, j'imagine que c'est un type assez musclé. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Ah oui, d'accord. C'est lui qu'on voit là sur la scène. C'est lui. Sous la serviette blanche, hélas, il y a un homme complètement. C'est lui qu'on aurait dû envoyer dans les maisons de retraite pendant la canicule. C'est pas une maison de retraite, c'est une résidence. Oh, pardon. Alors, il y a des milliardaires, enfin, il y en a une égarée, moi, folle, milliardaire. Il y a une charmante directrice. Vous êtes la directrice. Puis, la directrice. Et puis, il y a Jacques Siron, qui a un peu moins d'argent, qui est un professeur, qui est là, dans sa résidence, et dans son Jacqueline appartement. Jacqueline Johanneuf. Et puis, des tas de résidents qu'on ne voit pas, bien sûr. Voilà. Dans cette... Et Jean-Pierre Malignon, qui joue mon fils, qui a toujours besoin d'argent. Enfin, bon, bref, les problèmes habituels. Vous voulez monter, en fait, une comédie musicale dans la maison de retraite ou dans la résidence? Résidence pour personnes âgées, si vous plaît. Oui, parce que moi, je pars d'un principe que les vieux meurent parce qu'ils sont oubliés, parce qu'on les oublie, et que je veux absolument qu'on continue à parler de nous dans cette résidence. Et comme elle regrette de ne pas avoir été milliardaire, de ne pas avoir été Miss Tinguette, puisqu'elle a choisi un milliardaire, elle a ce désir rentré, et alors elle s'agite, elle écrit des textes, elle les fait répéter, enfin c'est là. Et tout le monde suit? Oui, bien sûr, c'est un thème... On peut faire autrement, de toute façon. Oui. Avec Marthe, c'est impossible. Impossible de ne pas suivre. Ouais, ouais, ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la clim ou pas? Non. Vous êtes toujours très sportive, Marthe Mercadier? Oui. Parce que vous avez commencé, ça je l'ignorais, comme cascadeuse. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous faisiez comme cascade? Eh bien, oh, c'était très, 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 très pointu. J'étais au-dessus d'une fosse, il y avait la caméra en dessous, le caméraman et le cadreur comme ça. Il y avait une voiture qui arrivait à toute allure, qui ne devait pas freiner. Et moi, juge, j'avais le repère pour sauter. Il fallait qu'on filme mes jambes juste avec l'arrivée de la voiture, voyez-vous? Voilà. C'est alors. Voilà. Et j'aurais préféré presque, tu me prétends, que la voiture qui arrive sans freiner. C'est une bonne école pour le sang-froid. C'est très bien. Vous avez arrêté la cascade très vite. Enfin, j'aurais pu l'arrêter encore plus vite si j'avais pas sauté à temps. Mais là, c'était instantané, voyez-vous. Ma brillante carrière, c'était terminé. Est-il vrai que vous avez, déjà, j'ai trouvé ça formidablement sympathique, à moins que ce soit une invention d'attaché de presse, que vous avez toujours choisi vos films
en fonction des voyages qu'il vous permettait de faire. Absolument. Et bien voilà une carrière comme j'aime. Absolument. J'ai été très bien conseillé par Eric Von Stroheim, qui était un grand ami, qui m'a beaucoup aidé au début de ma carrière, et qui m'a dit, avec le physique et l'emploi que vous avez, on va vous proposer des choses complètement inintéressantes, curieuses comme vous êtes, voyager, pas de chef-d'œuvre à Poitiers, à Bourg-la-Reine ou autre, mais un film discutable à Tolède, à Venise, à machin. Ce que j'ai fait, j'ai tourné à Venise, j'ai tourné à Tolède, j'ai tourné au Brésil, j'ai fait le tour du monde. Mais d'ailleurs... 91 films, tous discutables. À ce sujet, vous avez déclaré à un moment, je n'ai pas fait de chef-d'œuvre, mais ça ne m'a pas manqué. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai du mal à le croire. Quand on fait une carrière de comédienne, on a des ambitions, on a des rêves. Pas du tout, mademoiselle. Non, pas du tout. Moi, vous me parlez de moi, vous m'interviewez. Oui, bien sûr. Je parle pas des comédiennes. Hein. Bon, parce que là, vous avez sûrement raison. Moi, je n'ai pas fait ce genre de choix. Je voulais être dans ce coup-là. J'ai commencé comme souffleuse, comme régisseuse, comme assistante, comme tout ce qu'on voulait. Je voulais être là. Je voulais être dans le spectacle. Ouais. Donc j'ai été dans le spectacle. Et je commence une ère de jubilation parce que je suis toujours dans ce coup-là à 75 ans. Et pour moi, c'est un éblouissement. Pas de chiffres, C'est son anniversaire. J'ai dit comment j'ai fait. Vous avez eu énormément de prix et de récompenses, enfin un certain nombre. Oui, mais alors, ça, j'ai reçu par la poste. Ceux que j'ai reçus par la poste. Laquelle de ces récompenses C'est-à-dire vous a fait n'était le pas plus négocié. Plaisir Celui qui a été le plus triste, c'est le Molière de la présidente pour le meilleur spectacle comique, parce que nous l'avons eu en toute lucidité, parce qu'il y avait deux très bons spectacles comiques cette année-là, mais nous, on a perdu notre directeur, Jean-Michel Rouzière, qui était un très grand directeur des variétés et du Palais Royal. Et là, j'ai dit tout de suite, quand il est mort, trois mois avant le Molière, j'ai dit, là, on va avoir le Molière, ils ne peuvent pas ne pas nous le donner. Ça, c'est ma lucidité héréditaire. Je suis d'une famille de gens très lucides. Bon, alors, on a eu ça, ça m'a fait très plaisir, et en même temps, c'était très triste, on sanglotait quand on l'a remis, bon. Et puis, la médaille du mérite, que Simone Veil m'a donné, que j'ai reçu par la poste, voilà. et le désir de l'abbé Pierre, puisque c'était à titre humanitaire, pas du tout l'actrice, pas du tout mes créations et tout, comme c'était bien plus important pour moi, à titre humanitaire, et l'abbé Pierre a dit, je veux la décorer, parce qu'au moins avec moi, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien, et comme il avait 42 fièvres, il m'a décoré dans son lit, ça a été formidable. Il vous a honoré dans son lit, l'abbé. Voilà, Et ça, c'était inouï. C'était inouï parce que je suis arrivé à côté de Caen. Il avait 42 fièvres. J'ai dit, l'abbé, on s'en va. Il me dit, non, parce que si je passe par la nuit, tu seras décoré. Mais il se sentait très souffrant. Mais il y a longtemps. Vous l'appelez l'abbé? Il y a 6 ans, 7 ans. Vous l'appelez l'abbé? Oui, l'abbé, depuis 54. Ça fait très patronage, dites-moi l'abbé. Mais en 54, c'était le patronage, l'abbé Pierre. Ouais, c'était l'appel. Et les gens qui ont répondu, ça a un côté patronage fabuleux. Christine Bravo veut vous parler. Moi, je me marre, depuis tout à l'heure, je compte. Parce que vous avez dit 75 ans, ça veut dire que je suis en train de me dire, putain, il me reste 20 piges à être comme ça. Arriver comme ça, comme vous, parce que vous êtes déjanté, vous êtes un peu bringzingue, un peu comme moi. Je veux savoir, est-ce que vous fumez? Oui. Est-ce que vous picolez? Oui. Est-ce que vous bouffez du tout? Est-ce que vous êtes libre cet après-midi? Oui. Je mange beaucoup. Mais alors, c'est extraordinaire, parce que donc... Et je n'ai jamais fait de régime, yo-yo, un jour une endive, le lendemain un demi-pamplemousse, jamais. Et en plus, vous avez dit, moi j'adore cette phrase, vous avez dit, vieillir pour moi, c'est être libre. Oui. Et moi, je pense qu'il y a ça en disant, c'est la liberté. Je vais bouffer, je vais être moche, je m'en fous, je m'en foutrais. Non, c'est la liberté. Alors... Non. Oui, moche... Mais non. Je serais une belle vieille. Écoutez, Rubin, je s'est occupé que des manches. Renoir n'a peint que des manches. Non, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors, ils n'ont peint que des femmes enrobées. Mais que Marthe, des femmes de chair. Donc, on peut vieillir bien en faisant plein d'excès. Ce ne sont pas des excès, ça s'appelle la vie. Oui, ça, vous avez raison, sauf que vous dites qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie. Ben alors, il y a quoi d'autre? Tout le reste. Il y a le saumon fumé. Bravo.
pour répondre à mademoiselle qui me parlait de carrière, ma chère, on ne peut pas faire une carrière quand on a de tels interdits, quand on se fait de tels interdits. J'ai commencé, j'avais 18 ans, 19 ans au théâtre, ensuite j'ai tourné, et bien entendu, j'étais bâtie correctement. On m'a proposé de me déshabiller, de rouler des patins avec des mecs, etc. J'ai interdit sur contrat. Jamais on ne m'a vu déshabiller de 18 ans à 75 ans. Peut-être la semaine prochaine, on va voir. On va voir. Raphaël, quelques questions à Christine Delaroche et Marc Mercadier. Oui, alors Christine, l'été prochain pour vous sera plutôt synonyme de si, sexe ou sun. Théâtre. Théâtre ? Bah oui. Vous allez faire ça au théâtre, donc ? Non. On va jouer, probablement. D'accord. Enfin, on va avoir un arrêt au mois d'août. Mais d'accord, mais jouer. Un des trois ? Non, je voulais si, pas. Si, sexe and sun, sun. Très bien. Alors. Ça va, ça vous va ? Oui, de toute façon, je m'en fous, moi, complètement. C'est ça. C'est bien ce que je pensais. Dernière question de Raphaël. Maria Pacôme a décidé d'arrêter la scène cette année, et vous ? C'est pas vrai, elle fait son one man show. Elle a annoncé ici qu'elle arrêtait. Mais elle dit ça en rigolant avec des amis, et elle aussi, elle aime bien le champagne, elle aime bien. Alors elle a dit, oh tiens, j'arrête. Ah, on a aussi Maria. Les noms de celles qui picolent. Là, on l'a joué, là. Ah, oui, et qui sait s'arrêter. Oui, mais c'est nous. Les meilleurs, c'est les plus drôles, c'est les plus sympas. Bah, voilà, voilà. En tout cas, moi, mais je vous connais pas, vous ressemblez à ma copine Annie Cordy, et c'est très bien, voilà. Ah non, elle boit de l'eau, là. Elle boit de l'eau. De son corps, si vous voulez vous amuser, avec Christine Delaroche et Marthe Mercadier. C'est au théâtre des Bouffes Parisiens à partir du 12 mars. C'est bien ça ? C'est ça. Vous restez avec nous pour le caca finir. Il s'agit de compléter quelques phrases relevées dans la presse du jour. Jean-Marie Le Pen déclare : là, c'est la mort, c'est un mot haïssable dans le domaine militaire et civil. La quoi ? La démocratie ? Non. Non. La lâcheté ? Non. La censure ? Non. On est dans le cœur de votre pièce de théâtre, là. La vieillesse ? Pardon ? La folie ? Mais non, un terme militaire. Un terme militaire ? Oui. La mauvaise vue ? La sénilité ? Non. Un terme militaire. Eh ben, ils sont là, séniles. Pas fort, ce soir. On en a eu, des séniles. Ouais. Terme militaire, mais c'est invraisemblable, tu ne comprends rien. Voilà. La retraite ! La retraite ! La retraite ! Bravo, Christine Delaroche ! La retraite ! Bah oui, la retraite, c'est un terme militaire. C'est un flambeau. C'est la retraite. Oh. Quel c'est talent aussi. Il a quand même. Dieu sait que je déteste ce bonhomme, mais quel talent il a quand même. Parce que associer la retraite, prendre sa retraite et battre en retraite, c'est un truc formidable. C'est haïssable. C'est bien écrit, c'est bien écrit, c'est haïssable ce mec. Très bien. Voilà. San Severino, que vous avez vu aux Victoires de la Musique samedi soir, a déclaré finalement à Yagon. Il est sympa. Il manque juste un mot. Il y a il et sympa. Il est sympa, il y a tyran, mais mettez-vous. Il a une tête sympa. Il a une tête sympa, bravo Raphaël Mesrahi. Dans une interview accordée à VSD, Pascal Clark, animatrice sur Canal+, déclare « Malgré son génie de comédien, rien n'autorisait Michel Serrault à... » Il a dû une méchanceté. Il a fait une connerie. Il a fait quelque chose qu'elle lui reproche. Arrête, discours-toi. Ouais, en plus. À m'insulter. Oui, mais elle dit. À m'injurier. C'est insulté, mais comment ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? À me traiter de conne. À me traiter de conne. Bravo les deux Christine, bravo les deux Laroche. Et Christine. Parce qu'il l'a traité de conne. Je ne savais pas. Dans l'émission ? Pardon ? Dans son émission, il l'a traité grosse. De conne. Moi, j'ai dit grosse. Nous, c'est grosse conne. Nous, sale conne. Pourquoi il a dit ça ? C'est horrible. Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi il a traité de sale conne ? Oui, c'est horrible. Parce que sûrement, il avait... Elle est bien, son émission. C'est génial, elle invite tous les footballeurs. Je ferais plutôt confiance à Michel. Alors, à partir du 12 mars, Folle de son corps, au Théâtre des Bouffes Parisiens, Marc Mercadier, Christine Delaroche, Chantal Assis, merci à toutes les deux. À demain, bye bye.